Ça, c'est notre autre nouvelle recrue de cette année, Captain Marvelous. Alors, c'est un modèle tout à fait différent, hein, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est le vrai cheval de vitesse, le vrai dragster, avec une épaule très massive, une arrière-main très puissante. Un vrai cheval de 1200 mètres, grand maximum 1400 mètres. Alors, au niveau de ses performances, c'était un vrai 2 ans qui a débuté au mois d'avril par une deuxième place, gagnant dès le mois de mai. Et après, il a enchaîné avec une victoire dans une listed. Groupe 2, critérium de Maison Lafitte, 1200 mètres ligne droite. Et après, troisième des Middle Park Stakes, battu d'une demi-longueur par Dutch Art, qui est un étalon aujourd'hui très très prisé. Un petit mot sur ses premiers produits. Alors, il a été, dès sa première production, très bien dans les statistiques. Il est deuxième meilleur étalon débutant en 2012, donc avec ses premiers 2 ans. Deuxième au classement européen par le nombre de victoires. Parce qu'il a fait beaucoup de produits qui ont gagné énormément de courses. Il en a fait plusieurs qui ont gagné d'ailleurs 4-5 courses d'affilée. Donc des vrais 2 ans qui durent, hein, c'est-à-dire qui ne cassent pas après la première course, qui sont solides et qui continuent de gagner. Il a un vainqueur de groupe 2, un cheval qui est en Inde, qui a gagné la plus grosse course d'Inde, le Calcutta Million, qui est un groupe 2. Donc voilà, donc il a une production au niveau black type, mais il a surtout beaucoup, beaucoup de gagnants.